match. Moi, je vais prendre les trois. À toi l'honneur. Nous trois là contre vous. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Bien. Ce jeu, on joue soit en individuel, soit par équipe. Chaque joueur prend une paire de dés, lance son dé pour s'approcher au plus près du déboulé. L'équivalent du cochonnet à la pétanque. On marque les points qui sont sur la face supérieure. Si la couleur affichée par la face supérieure est la même que celle du déboulé, on double les points. Et donc, c'est le premier qui arrive à 26, département de la Drôme, qui remporte la partie. C'est vraiment super sympa, c'est convivial. Tout le monde peut y jouer. Les adultes, les enfants, les ados. À chaque fois que je crée un jeu, j'imagine chez qui il va aller et le plaisir qu'il va apporter aux gens. Et ça, ça me comble. Avec les beaux jours, les jeux en extérieur marquent leur grand retour. Les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des jeux éco-responsables et surtout made in France. Alors face au quasi-monopole, détenu par la pétanque ou encore le molki, Gérard a décidé de bousculer la concurrence. C'est la pétanque, mais en mieux. Nous sommes dans la Drôme, à Chabeuil, à 10 km de Valence. Bienvenue chez Gégé la Palette. Et ne vous fiez pas aux apparences, sous ce costume excentrique se cache un véritable créateur. Quelque part, on est tous des créateurs, mais j'aime bien imaginer des choses, oui, et puis créer, inventer, ça me plaît bien. Mais de mes mains, travailler le bois, c'est une relation, je dirais pas passionnelle, mais presque, hein. C'est important, j'aime bien. Mon père nous fabriquait nos jouets, et puis ça m'est resté, parce que je le voyais faire, je trouvais ça fabuleux, fabriquer. Un matériel, c'était extraordinaire pour moi. J'étais môme, j'étais minot, j'avais 8 ans. Donc, j'ai trouvé ça superbe. Et je me suis dit, faut continuer sur cette idée. Moi, je suis joueur. J'aime bien. Moi, je prends la vie du bon côté. Depuis la nuit des temps, les hommes pratiquent des jeux. Les dés auraient été inventés il y a plus de 3000 ans en Égypte et avec eux, les premiers jeux de hasard. Le mot vient justement de l'arabe « hasard », qui signifie « dé à jouer ». Mais quand il s'agit de la confection de son jeu, Gégé ne laisse rien au hasard. J'utilise du hêtre parce que c'est un bois qui est un bois dur, qui résiste au choc. Il n'y a pas d'écharde, il n'y a pas de... voilà, c'est lisse, c'est propre et c'est donc sécurisant. Originaire d'Europe, le hêtre, matière première de tous les jeux en bois, est malheureusement très touché par le réchauffement climatique. Salut Bastien. Salut Gégé. Dis donc, c'est humide chez toi. Pour en savoir plus, Gérard nous entraîne à la rencontre de Bastien, dirigeant d'une scierie. Ouais, je suis à sec là, j'ai plus rien. Est-ce que tu as du bois pour moi? Écoute, oui. Du hêtre. On va aller regarder ça, ouais, bien sûr. Ok. Donc c'est du hêtre qui vient du Jura. Le Jura, c'est le berceau du hêtre. Donc c'est un bon... Il y a des bonnes humidités, des bonnes températures, une bonne météo pour que le bois grossisse bien. Et c'est un bois qui est dur. Et ça, pour les jeux de GG, c'est parfait. Ça, le bois, ça bouge pas. Hein. Ça dure, ça durera plus longtemps que le joueur. Il n'y a pas de problème. Pour la transformer en dé, la palette de bois est acheminée dans l'atelier. Bastien la débite en bande et la rabote pour obtenir des rectangles parfaits. Moi, je suis un fils de paysan et j'aime bien tout ce qui est naturel. Je ne me serais jamais vu fabriquer un jeu en matière synthétique. C'est pas dans mes gènes. À bientôt. À la prochaine. Merci. Hein, et merci encore. Allez, salut. Salut, Gégé. Après avoir été journaliste pendant 32 ans dans un hebdomadaire agricole à Paris, Gérard a renoué avec son premier amour, le bois. Il a donc conjugué ses deux passions, l'ébénisterie et le jeu. Alors ce dé, on l'a saucissonné en dé de 75 mm de côté et on va marquer les angles. Et on va pouvoir faire sauter à la scie. J'aime bien finaliser mon produit, que ça soit fait comme je l'entends. Et travailler seul dans mon atelier toute une journée, ça ne me dérange absolument pas. Du moment que j'ai mon bois, je suis heureux.
Et on y va. J'entretiens une relation particulière avec le bois. C'est indéniable. Au contact du bois, j'ai la sensation de pouvoir le modifier, de le contrôler, tout en lui laissant sa liberté. Le bois, c'est tactile. Et j'aime ça. Et voilà, le dé est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer. Est-ce que c'est un jeu qui ressemble à son créateur ? Ah, complètement. C'est sympa, c'est solide. C'est coloré, c'est joyeux. C'est coloré, c'est joyeux, voilà, ouais. C'est tout à fait lui. C'est mon équipe d'ambassadeurs. Hein, ouais. Donc, ils ont fait les tests tout l'été. Et maintenant, ils répondent la bonne nouvelle. Bien joué. Ouais. Rendez-vous.